Alors Richter, vous avez choisi Richter, c'est formidable, cet artiste, on parle souvent des périodes, on a parlé des artistes historiques que vous exposez, et chaque artiste a une période qui suit l'autre, et Richter a les périodes simultanées. Et là, dans une toile de 98, on voit qu'il fait, il interroge toujours la photographie par le médium peinture, alors qu'en même temps, il fait son abstraction et d'autres choses qui, à la limite, sont presque plus reconnues par les gens que cette partie-là, qui était préalable aussi, qui a toujours traversé son œuvre. Donc, merci de nous présenter cette œuvre dans le Key Artworks. Et je vous laisse la parole parce que je voudrais vraiment écouter vos commentaires à ce sujet. We have this Gerhard Richter painting in our collection. It's a very important one because he did an important series of seascapes. And here we can see that he was always concerned about reality in general. So that's why he was working too with photography. And what he reproduced here is not only the sea, but also, for example, we can imagine that he was on holiday with his family, and you had this kind of vacation snapshot. So we think it's very interesting. From one point of view, it's very personal, and then on the other side, it talks about the world in general too. And he also makes this reference to Caspar David Friedrich, to romanticism. So the world is full of romanticism sometimes. Yeah. Even if you have this memory, for example, of your vacations or your homeland, this can be also your homeland.